J'aime l'hiver à Montréal et j'aime Montréal en hiver. This is Bernard Voyer. Is there any place more appropriate than the top of Mount Royal to meet with one of Montreal's most passionate explorers? We didn't think so. When we learned that Voyer, a world traveler who has visited some of the highest points on Earth, wanted to wax poetic about Montreal, we bravely scaled to the summit of the mountain to speak with the accomplished adventurer about the city he calls home. Here's what happened. En fait, Montréal est au cœur de ma boussole. Montréal, là où je vis, la ville que j'aime. C'est une ville qui dévoile, je crois, la plus grande de sa beauté, l'hiver. Je ne pense pas vous surprendre de vous dire que je suis un amoureux de l'hiver, que j'ai passé ma vie à courir après l'hiver, à connaître les endroits les plus froids sur Terre. Et Montréal, cette grande ville qui connaît l'hiver, là aussi, c'est un atout extraordinaire. Ce n'est pas toujours un obstacle, l'hiver. Celui qui ne le touche pas, celui qui ne le respire pas, ne l'aimera jamais. Il ne faut pas fuir l'hiver, il faut le vivre. Et le vivre à Montréal, dans un bouillonnement d'activités, c'est fabuleux, c'est merveilleux. C'est beau comme un cirque. Il y a des acrobaties, autant des piétons que des automobilistes. Mais aussi, il y a des tours de magie, comme à une si grande ville. Et on le sait tous, hein, aussitôt qu'on voyage, on nous demande toujours, vous vivez où? On vit à Montréal. Mais comment faites-vous l'hiver? Ben, on fait très bien. On s'occupe de tout, c'est parfait. Là, il faut déneiger, on déneige. Et il y a des endroits encore, comme le Mont-Royal, où on laisse l'hiver s'installer et on laisse l'hiver tranquille. Certains endroits, on le bouscule, c'est vrai. Mais l'hiver, quel plaisir, quelle est la chance que nous avons quand je vois, et je suis encore surpris de ça, de voir des gens entrer dans un autobus de la ville de Montréal avec leur ski de fond. Ils vont avec leur ski de fond, ils s'en vont skier, ils s'en vont glisser en plein cœur d'une très grande ville. Où sont les endroits dans le monde? Très rares sont les endroits dans le monde où on peut faire ça. Très rares sont les endroits où on peut jouer, patiner, vivre l'hiver comme nous le faisons. Les Montréalais sont des aventuriers. Pour vivre ici, il faut avoir un cœur d'aventurier. Vouloir affronter les tempêtes, les grands vents, les rafales, les pluies verglaçantes, les routes glissantes, il faut être un peu aventurier. Oui, mais on aime ça. On est comme ça. Et moi, j'apprécie.